Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Zippo Sénateur, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Veuillez partager parce que nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons donner de la voix. On donne de la voix quand on connaît. On se tait quand on ne connaît pas. Napo Sidibé, sois salué depuis ta position. Sois salué. Veuillez partager parce que Gafouré Diop, sois salué. Maïmouna Diomandé, Nercho de Dieng, Boubacar Sylla, Maïmouna Diomandé, sois salué. Yacouba, Ouattara, Darius Souaré, Naminata Oro Soumarou. Je vous salue tous. Vous savez, quand on est trop pris par le travail, les obligations professionnelles, souvent on a envie de donner la parole. Synergie de directeur, sois salué. On a envie de donner la parole, mais il faut comprendre. Vous voyez, je viens du travail. Je suis très fatigué. Et j'ai dit, devant la cacophonie qui se déroule sur les réseaux sociaux, il faut que je donne la parole. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants, c'est pas tout le monde, hein. Il y a quelques bandits qui sont à Paris, qui ne savent rien, qui ne savent pas comment les choses se passent, et qui pensent qu'il faut être dans les débits d'alcool. Ils pensent qu'il faut être dans les débits d'alcool. Pour parler, pour parler, pour parler et pour troubler l'esprit des gens. Tu ne connais pas, mais tu payes, tu prends quelques bières et tu fatigues l'esprit des gens parce que tu es supporter d'un terroriste qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il faut que tu insultes le président de la République en disant ce qui n'est pas vrai. Je n'aime pas répondre du tic au tac, mais je vais répondre à Soulé de Paris. Faut taguer Soulé de Paris. C'est un Ivoirien, c'est un frère. Il donne son point de vue. Il est supporter de Soro Guillaume, le terroriste Soro Guillaume. C'est normal, c'est son choix. Qui s'assemble se ressemble. Et je crois aussi que qui se ressemble s'assemble. Oh, Miocène y est. Ah, tu as de la sel mère. Ça, oui, nous les enfants de Poy, de la Selle-Mer, nous on n'est pas enfants de Cocodio, on n'est pas enfants de Riviera. Moi je suis de la Selle-Mer, à côté de Tanti Mahago, là, c'est là-bas, c'est mon quartier, c'est là. Je ne vais pas vous mentir ici que j'étais. Ma famille paternelle, ils ne sont pas riches. C'est mes parents maternels là qui étaient des gens qui étaient leur lignée là. Les Loboué là, c'est eux qui ont un peu. Mais nous là, par mon père, on ne nous connaît pas. C'est-à-dire que peut-être que même s'il y a derrière zéro, s'il y a un chiffre, peut-être que c'est ma pauvre famille paternelle. Oui, chez nous à Poy. J'ai même dit, je vais divaguer, que même si je suis premier ministre, mon palais, ça, pourquoi on va construire ça? Je ne je sais pas où je vais. Je ne sais pas. Aucun quartier ne me dit quelque chose. Il y a pourquoi là. Même si c'est dans Batani Kro ou bien, je ne sais pas quoi, à Yopougon, là, c'est-à-dire où on jette les ordures. J'ai dit, quand je suis à Abidjan et que je vais me promener ou bien je vais faire une activité à Port-Boué, à la Riviera, à Benjéville, partout où je passe, Yopougon est comme le sein maternel. Je sens que mon souffle est coupé quand je suis en train de faire mes activités le soir, quand je viens puis voir le premier pont, parce que c'est pas là, le premier, l'échangeur, là. Quand c'est comme. Si je revenais à la vie, et c'était toujours comme ça, je ne comprenais pas. Parce que Yopougon, j'ai vu Yopougon se développer dans tous les sens. Yopougon où il n'y avait pas Niangon, j'ai vu ça. Yopougon où il n'y avait pas Ananéré, j'ai vu ça. Yopougon qui s'est limité où il y a la gare UTB après Cyporès là, j'ai vu ça. Après ça, c'est la brousse jusqu'à la brousse. Il y avait une seule usine de production de paille. Je ne sais pas si c'est Gonfreville. Non, ce n'est pas Gonfreville. Il y a un autre qui était là-bas, dans la brousse là. Écoutez tout ça là. C'est-à-dire, après le terminus 40 là, c'est la brousse
Il faut traverser la brousse pour aller à côté. Nous, on a vu ça. Camp militaire, c'est les militaires qui habitaient ça. Mais un camp militaire, la selle, mais c'était la brousse, hein, des grands arbres, des baobabs. Nous, on a vu ça. Donc, moi, tu demandais, ma petite soeur, il faut qu'on on se parle. Donc, j'ai vu Soulet de Paris s'égosiller sur les réseaux sociaux qui ment aux gens, parce qu'il faut utiliser le mot, qui ment aux gens. Il dit que le Prado a été hué en Guinée, Conakry. Ce n'est pas vrai. Voilà, Uniwax. Uniwax. J'avais 11 ans et si je allais jouer au ballon et puis une fois sur rumeur est venue, on dit non, moi j'ai traversé là, après le lycée professionnel pour aller à Uniwax. Ils ont failli me tuer à la maison parce que c'était la brousse comme la brousse du Banco là. C'est ce qu'on a coupé pour faire les autres quartiers là-bas. Et on m'a chicoté proprement. Parce que c'était vraiment, ça faisait peur. C'est comme si on te disait, où tu vois, Jesco, tout ça, nous on a vu l'autoroute que vous voyez là. Nous on a vu quand on faisait. Le président Fouboy n'est pas venu pour l'inauguration. C'est Yassin Philippe qui l'a envoyé. J'avais mon ballon ici. J'ai couru pour aller voir Yassin là. Vous voyez? Et autoroute que vous voyez là. Je devais avoir 10 ans. J'avais le ballon comme ça, hein, mes amis. Pratiquement, pieds nus, on dit, monsieur Yassin est venu. On est allé là-bas. On a vu. Et ils ont inauguré, ils ont enlevé le truc où c'est écrit 230 km là. Ils savaient lire. Donc on a vu Yopougon. Une semaine après, Madame Marie-Thérèse, la présidente, est venue dans notre école. J'ai encore les images dans mon chose. Et même, on nous a fait des photos individuelles avec elle. Au groupement foncier. Donc, Soulet de Paris qui est en train de troubler l'esprit des gens. Cette vidéo sera pas longue, mais je vais donner des conseils à Soulet. Et je vais lui dire, je vais parler en profondeur, mais je vais lui dire comment l'État fonctionne. Son bandit, son terroriste de Soro, ne lui a pas dit comment l'État fonctionne. Vous savez, je vais aller très rapidement. Nous sommes dans la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est un ensemble sous-régional où il y a plusieurs pays. Donc s'il y a un problème au Burkina, ils doivent tous aller au secours du Burkina. S'il y a un problème en Guinée, ils vont tous, les présidents, présidents, les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères, ils doivent aller au secours de ce pays-là. S'il y a un problème au Sénégal, ils doivent aller, ils ne sont pas interdits d'y aller. S'il y a un problème au Nigeria, le Prado doit aller à ses amis. S'il y a un problème au Togo, ils doivent y aller. Mais quand le Prado reçut une telle mission, je crois qu'un Ivoirien normal devrait être fier. Tous les chefs d'État sont allés au Ghana. Tous les chefs d'État se sont réunis au Ghana pour le sommet. Et ils ont pris des décisions concernant la Guinée. Parce que les chefs d'État, quand ils se réunissent, avant d'aller au-delà pour voir les raisons qui ont motivé le coup d'État, il y a une charte de la CEDEAO et c'est la charte qui est importante. La charte de la CEDEAO dit qu'il ne doit pas avoir de coup d'État, de déstabilisation, de changement de régime dans la région. Parce que ça peut faire des effets domino. Ça peut faire des effets de contagion. On a besoin de paix. Donc, ils prennent des mesures pour sanctionner ceux qui ont fait le coup d'État. Mais je vais vous dire une chose. Ils sont au sommet. Le Prado est avec ses pairs, chefs d'État. Ils sont nombreux. Il n'est pas seul. Hein? Il n'est pas le président en exercice de la CEDEAO. Il était à Accra. Les chefs d'État, là, le Prado ne dit pas moi, là, c'est moi qui dois aller en Guinée. Jamais! Ça se fait pas. Celui qui est le premier désigné, on dit Nana Koufo Addo. Comme tu es le président en exercice de la CEDEAO, c'est toi qui vas aller. C'est la vérité que je vous dis. Eux tous l'ont désigné. Au moment où il doit partir, ils se sont concertés, ils ont dit le président Alassane Ouattara, comme notre leader, il est comme notre éclaireur, il doit l'accompagner. Vous avez compris? Pourquoi il accompagne? Non seulement Alassane Ouattara
et il bénéficie de la confiance internationale. Il a une carrure internationale qui est plus forte que Nana Akufo-Addo, qui est un milliardaire petit avocat. Parce que je vais dire les choses. Je ne dois pas Nana Akufo-Addo. Donc, c'est comme tu accompagnes un enfant à l'école primaire, comme quand j'étais au village avec ma grand-mère. Le jour où je devais aller à l'école, le vieux balai David, mon oncle, c'est lui qui m'accompagnait à l'école primaire. Parce que moi seul, je ne pouvais pas aller voir M. Shérif, Ali Shérif, pour inscrire mon nom. Donc, c'est lui qui a tenu ma main, j'étais petit. Donc, le président Alassane Ouattara, qui, après ce sommet-là, va avoir le coup de fil de Joe Biden. Le président Alassane Ouattara qui va avoir le coup de fil de Emmanuel Macron. Le président Alassane Ouattara qui va avoir le coup de fil du premier ministre israélien, de tout ça là. Qu'est-ce qui se passe dans l'ordre? Ce n'est pas Nana Akufo-Addo qu'on demande. Lui, il est qui? Il a été dans quelle institution? Il a quelle valeur? Il a quelle force internationale? Il faut d'un réseau pour savoir qui est qui. Le monde s'est réuni. Le monde dit l'Afrique souffre trop. Alassane Ouattara connaît tous les réseaux pour aider l'Afrique. Vous n'avez pas vu qu'on lui a confié le dossier de l'Afrique? C'est pas l'Afrique occidentale seulement, hein? Dans la CEDEAO et petit dedans, on lui confie le dossier de toute l'Afrique jusqu'en 2063. C'est-à-dire, je touche du bois, même s'il n'était pas là, le dossier sera accompagné par quelqu'un qui va aller jusqu'en 2063. Et le Prado dit, oui, la Guinée, c'est un pays frère qui connaît des situations difficiles. Il faut que j'y aille. Mais je vais vous dire une chose. Nous ne cherchons pas les raisons qui ont motivé le coup d'État, mais de vous à moi. S'il n'y a pas des hommes sages pour guider le jeune, là, comme on a Mamadi Doumbouya, là, il peut réussir quoi? Un homme qui, même en s'exprimant en langue française, on dirait qu'il a fait le CP2. Oui, il faut que la vision lui parvienne, va comprendre. Il ne sait rien. Il faut qu'on l'encadre. Il faut qu'on lui parle pour ne pas que les militaires... Dans leur manière d'agir, parce que le militaire n'est pas là pour faire, le maintien de l'ordre, il est là pour tuer. Pour ne pas que le comportement d'Alpha Condé, ce qu'il est en train de leur montrer là-bas, là, on apprend un matin qu'ils ont tué le monsieur. Donc il faut des gens forts pour aller le voir. Parce qu'ils n'ont aucune expérience. Aller s'entraîner, sauter sur la tyrolienne, dire que je suis soldat, et puis après on te donne les grades, on dit tu es lieutenant-colonel là. Ça, c'est pas une valeur ça. Donc il faut un homme fort comme Alassane Ouattara pour aller parler aux jeunes. Vous comprenez? Mais je vais vous dire une chose qui fait rire. Sous l'aide de Paris, tu ne connais pas l'État. Moi, j'ai travaillé dans l'État. J'ai travaillé, je ne vais pas dire de secret. J'étais gosse comme ça, j'étais avec Oufoué Boigny. Oufoué qui est mort là. À un Bédier, j'ai reculé. Je n'étais pas à un Bédier. Quand Guéhi est venu, j'ai travaillé à Guéhi. Je connais l'État. Je connais la présidence. Je sais comment la présidence est faite. Quand Gbagbo est venu, j'étais plus dedans. Et puis, à le Prado, je suis le vice-président, mais très éloigné. Je dis, je reprends. Avec Oufoué Boigny, j'étais gospillon comme ça. J'ai appris à connaître l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas tout le même. Tu peux être directeur général d'une société. Mais l'État, là, il y a une membrane qui traverse l'État que tout le monde peut pas savoir. Même des ministres qui ne connaissent pas. On m'a initié très tôt. À cause de mes oncles maternels. C'était un nom que j'avais. On dit les Loboué. C'est leur propriété qui est la Côte d'Ivoire. Elle est Yassé, Loboué, Yassé et Oufoué. Donc, il ne m'appelait pas Nyeba, pas Nyeba qui connaît Nyeba. Mais beaucoup de personnes qui sont âgées, qui sont là, qui sont des collaborateurs du président Oufoué Boigny, ils m'ont toujours appelé Loboué. Donc on m'a très tôt dit, c'est comme ça on fait. C'est pourquoi à un moment donné, on a fait de moi secrétaire national du PDCI, chargé de la bonne gouvernance. Si je vous dis mon âge, vous allez dire, tu cherchais quoi dedans même? Mais les Fologos là, et les mon tuteur, ils savaient ce qu'ils préparaient pour moi. Donc sous les de Paris, toi qui es l'insulteur public là, si tu ne sais pas, tu es un frère, appelle-moi, je donne mon numéro à tout le monde, je te dis comment est l'État. Le président Alassane Ouattara allait pour ne pas que les jeunes là, pas les militaires quand tu le provoques, lui, il n'a pas de but pour écrire, c'est son âme, il prend, on ne veut pas attendre autre chose là-bas. Donc ils ont pris des mesures. Le président Alassane Ouattara arrive là-bas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Et je sais que le protocole de la présidence ne va pas se fâcher parce qu'on a tellement d'idiots qu'on est obligé d'intervenir. Quand le président arrive quelque part avec l'appareil, l'avion est toujours en position de départ, en position retour. C'est quelque chose que je vous dis. On ne met pas la cale là, sur le truc là. Hein? L'avion en position chose. Donc le président est toujours assis jusqu'à ce qu'on lui dise
au sol, c'est maîtrisé, il n'y a pas de situation. Sinon, à tout moment, l'appareil peut repartir. C'est pourquoi on n'éteint pas le moteur. Soulève de Paris, si tu n'as pas travaillé dedans, tu ne sais pas. C'est quand on te dit que ça va te surprendre. Parce que le Prado voit au milieu des militaires. Et il peut y avoir des drogués, des bandits au milieu d'eux. Ils peuvent se fusiller entre eux, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pourquoi, avant que le Prado descende de l'appareil, son chef de sécurité est venu se mettre sur l'échelle de coupé pour regarder partout. Ils sont professionnels. Pour regarder partout, dans un rayon de 2 km, il doit pouvoir voir tout ça. Et il s'est arrêté là longtemps. Ensuite, il est descendu. Ils se sont concertés en bas à El Guinée. Et il est allé dire au Prado, c'est OK. Ça, c'est la première étape. Mais quand ils sont allés pour comment on appelle, les hymnes, pour chanter les hymnes des pays, mais les gens qui n'ont aucune espérance, ou bien ces hommes n'ont pas d'espérance, il faut les encadrer. Le protocole du Prado, là, le protocole du Prado qu'on appelle Eric Tabac, qui est un professionnel, quand tu es protocole, que tu es le chef de l'État, sur lequel tu n'as jamais travaillé à la présidence de la République, tu ne connais rien. Quand tu es protocole, quand ton président s'arrête, tu ne te mets pas sur la même ligne que lui. Tu ne te mets pas à sa droite, tu te mets à sa gauche. Mais pas sur la même ligne, tu te mets à sa gauche, mais en retrait. Sous l'œil, on doit t'enseigner, sous l'œil, tu ne connais rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Eric Tabar s'est arrêté derrière le Prado, un peu décalé, à sa gauche, celui que Doumbia a choisi comme protocole, lui, il allait s'arrêter derrière le Prado. Ça, c'est des hommes, ça. Je sais que si le vieux Georges Wenyen, il voit l'image, il va rire. Ce sont des bandits qui sont en Guinée et ces bandits ont besoin d'être encadrés. Maintenant, Soulé présente une vidéo où ils disent qu'ils ont eu le Prado. Ils n'ont pas eu le Prado. Parce que même les militaires là n'ont pas intérêt à ce que les gens là fassent ça. S'ils font ça, c'est pas au Prado qu'ils ont fait. C'est à l'Afrique, pas à la CDAO là. Le rapport qu'ils vont faire, ça va à l'Union africaine. Et l'Union africaine va imputer ça à l'ONU. Et tout, comme on appelle l'Union européenne. Et tout ça là, dans les secrets des chancelleries, c'est, ils vont leur faire des rapports. Le Prado, ils vont dire voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a vu. Donc ils n'ont pas intérêt à faire ça. Mais sous les quand tu es en politique là, que nous on a fait là, et puis on connaît là, quand moi je suis là, j'ai ri. Voilà ce qui se passe. Doumbia a les échos de ce qui s'est passé à Accra, où ils ont été désavoués. Ça c'est la procédure politique. Ils ont été désavoués parce qu'on ne peut pas dire un coup d'état est bon, un coup d'état est bon, un coup d'état est bon, un coup d'état. Non, les textes de la CEDEAO disent on n'aime pas coup d'état. Ça, ils doivent appliquer ça. C'est ça le président Alassane Ouattara et ses hommes intelligents ont mis en exergue. Ils ont mis en application. Doumbia sait que les chefs d'État qui viennent à leur délégation, ils ont des yeux, ils observent, ils entendent. Mais quand tu es en politique, tu es à ce niveau, tu peux même convoyer des gens. C'est ça le charme de la politique. Tes partisans, là, tu peux leur dire, faites tout pour ramasser 500 personnes ou même 1000 personnes. Parce que le problème là, le pouvoir est dans la main des militaires. Les hommes de Alpha Condé ne peuvent pas venir manifester aussi pour dire que bravo CDAO, bravo CDAO. Ceux qui vont les faire, eux-mêmes, ils connaissent. Donc, c'est dans la gorge. Donc, les jeunes que vous avez vus là, selon mes réseaux, ils ont été convoyés par les militaires pour leur dire il faut désavouer la CDAO. Et si vous êtes nombreux, sur le passage de leur cortège, ils vont dire que nous avons le pouvoir en main. Mais imaginez, le Prado et Nana Akufo-Addo arrivent en Guinée-Conakry, à l'aéroport Conakry-Bessia. Et maintenant, ils se prennent leur cortège vers la ville. Et puis, il y a 10 personnes qui sont là, qui applaudissent, qui sont les partisans de Doumbia. Doumbia, là, malgré ses armes, il n'aura pas plus d'un mois là. Par les rapports qui vont aller au département d'État américain, je sais ce qui va se passer. Les rapports qui vont aller à Ottawa ici, ils vont dire qu'il n'est pas populaire, on n'a qu'à le dégager. Ils sont forts. Le rapport qui va aller à l'Elysée, là, il n'est pas populaire, on n'a qu'à le dégager. N'oubliez pas que Doumbia n'est pas bête. Il a besoin d'une acclamation populaire, c'est ce qu'il a fait. Parce que les cellules d'Alain Diallo, là, ils sont en pole position. Les Sidia Touré, là, ils convoitent le pouvoir d'État qu'il a en main. Sidia Touré convoite le pouvoir qu'il a en main. C'est lui d'Alain Diallo, là. Il convoite le pouvoir que Doumbia a en main et il souhaiterait qu'on lui donne ça.
Moi-même là, si j'étais à la place de Doumbia, j'allais convoyer, lui aussi il a fait 500, moi j'allais convoyer 10 000 personnes pour applaudir, 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 applaudir. Et des affaires semblaient de désavouer la CEDEAO pour que les présidents, parce qu'ils prennent tout ça là, sous l'œil de Paris. Tu as fait une émission hier que j'ai appréciée. Parce que je sais, en tant qu'intellectuel chevronné, quand c'est bon, je dis c'est bon. Joël Nguessan, qui est devenu le plus grand faussaire de la République, tu as fait une émission, tu l'as dénoncé, parce que je connais une femme, Madame Fofana, qui est en Italie, qui a été grugée par ces gens qui sont à Abidjan, qui sont dans des affaires de terrain. Et si moi je vais faire une émission, c'est très grave. Tu as dit une bonne chose comme ça. Et même j'ai applaudi. Parce que je ne suis pas sous la pression de quelqu'un pour ne pas reconnaître le bien. Tu es ici dans la neige, à moins 40 degrés, ici au Canada, et tu vas prendre peut-être ton argent, 10 millions, pour dire j'ai pris un terrain, et ça devient flou, et Joël Nguessan. Mais Dieu là, quand tu vois qu'il a maudit quelqu'un qui ne marche pas, il ne faut pas te plaindre. Hein. C'est ça le sort de Joël Nguessan, et qui a brouillé les pistes. Tu as dénoncé ce monsieur, et tu dis tu as des dossiers comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui pour venir mentir grossièrement sur le Prado qui allait sauver la situation? La Guinée a plus à gagner à la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'a à gagner à la Guinée. Nous connaissons à travers choses le nombre de personnes d'Ivoiriens qui sont en Guinée sont insignifiants. Les Guinéens sont en Côte d'Ivoire. Ils ont fui le régime depuis le régime Sankou Touré et ils ont marié nos femmes. Nous aussi, on a marié leurs filles et nous sommes ensemble. Et c'est une bonne harmonie. Même le courant. Le courant, c'était Azito qui donnait le courant à la Guinée. Mais ils ont rapproché avec Soubré, le barrage de Soubré là. Allez là-bas, c'est ça qui alimente la Guinée. À un prix, je ne veux pas révolter les situations, mais un prix qui n'est même pas un petit prix, qui est supporté par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre aux Guinéens d'avoir du courant. Donc toi, tu mens, eux, ils vont insulter le Prado. Eux-mêmes, ils ne mettent pas leur vie en danger. Le prêtre doit aller, il dit, ce que vous avez fait là, nous sommes en train de réfléchir, c'est pas une bonne chose, mais il faut libérer Alpha Condé. Mais je vais vous dire une chose, hein. Alpha Condé là, quel que soit ce qu'il est, il a ses réseaux, il a ses hommes, il a ses réseaux d'influence. Encore, ça fait quelques jours seulement qu'il a quitté le pouvoir d'État. Si on laisse Alpha Condé aujourd'hui là, et puis on dit, il s'en va avec les chefs d'État. Tu n'as pas une grosse rébellion qui va venir en Guinée. De vous à moi, il a les moyens. Tout son argent est caché au Qatar. Et puis en Arabie Saoudite. Et puis, chose comme chez Erdogan, là, en Turquie. Voilà les quoi il a mis son argent, on est au courant. En Arabie Saoudite, au Qatar. Et puis en Turquie. Il va créer la zizanie. Et quand il va faire une rébellion, il va atteindre sa cible. Ils vont tuer les Guinéens. Donc les Prado savent tout ça là. C'est pourquoi les gens ont dit au Prado, va, dis au petit, de ne pas risquer la vie des Guinéens parce qu'il n'est pas allé à l'école, donc il ne sait rien. L'État, c'est compliqué. L'État, c'est compliqué, c'est pourquoi le Prado allait. Il n'y a pas une vidéo où quelqu'un a eu le Prado, c'est pas vrai. Toi, la vidéo que tu as reçue là, moi je reçois des vidéos de partout. Parce que je suis journaliste d'abord, avant d'aller faire d'autres études. Donc il y a des amis qui sont partout dans le monde, qui veulent même que je revienne dans le métier. Mais non, c'est fini ça. Vous comprenez? Donc nous on veut la paix en Guinée. Nous on veut la paix en Guinée. Nous on veut la paix en Guinée. Nous on veut la stabilité de la Guinée. On ne veut pas apprendre qu'il y a le mal en Guinée. Et celui qui a l'aura, qui est puissant en Afrique occidentale, c'est Alassane Ouattara, il allait faire sa mission. Donc, sous les, ce n'est pas en piaillant comme un petit poussin qui est tombé dans l'eau, que ça va ébranler le Prado. Il ne faut pas faire ça. Quand tu fais une bonne émission hier, il faut faire encore une bonne émission, au lieu de dire la politique que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas comment on négocie. Et le voyage des chefs d'État, quand il doit aller d'une zone à une autre, ça, on ne peut pas dire ça. Tu ne sais pas comment faire un jalonnement pour qu'un président de la République soit en confiance, il vient passer. Tu ne sais pas comment on fait ça. Tu es là dans la déstabilisation, tu veux gâter la Côte d'Ivoire. Tu es Tagbana. J'ai beaucoup de respect pour le Tagbana. Il ne faut pas me faire dire
que quand on prend des garçons tagbana, sur 100 tagbana, il y a 95 qui sont des soulards. Donc, ça est dans ton ADN. Vous, là, vous aimez boire. C'est tout là, pas le seul qui ne boit pas. Tagbana, là. Quand on prend 100, il y a 95 qui sont des alcooliques. C'est pourquoi ils ne vont jamais dans une religion où on dit on ne boit pas. Et c'est ça là, on est hérité de beaucoup de choses en France. Pour venir construire tes maisons, tu es dans la déstabilisation de notre pauvre pays. Même si on n'est pas dans nos pays, nous devons faire en sorte qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sérénité, la sécurité, que les gens... Mais on ne peut pas inciter tous les jours, on ne peut pas inciter à la violence et à la haine et à la destruction. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut changer. Il faut prendre encore le dossier. Joël Nguessan, le faussaire. Hier, Joël Nguessan était PDCI. Avant, il était PDCI. Il est allé au MFA. Et aujourd'hui, maintenant, le RHDP. Prochainement, il va fuir pour dire qu'il est dans un autre parti. C'est des gens comme ça qu'il faut parler. Il a volé 15 millions du jeune. C'est ça là qu'on veut entendre. Parce que ça peut arriver à tout. Moi, ça peut m'arriver. C'est arrivé à nous, ma soeur, Madame Fofana. Mais laisse le Prado en paix. Et le Prado est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, il travaille pour l'Afrique occidentale. Il travaille pour l'Afrique. Et quand il va au Fonds monétaire, où il est directeur général adjoint à vie. À vie. Joro Guillaume ne sera jamais comme ça. Donc, si tu ne connais pas, prends mon numéro, appelle-moi. Tu dis, cher frère, voilà. Moi, je vais t'expliquer. Je n'ai pas de contrainte pour dire, je ne dois pas te dire. Mais il faut laisser la Sainte Ouattara en paix. Le président Alassane Ouattara est en train de libérer des gens. Des prisonniers de droit commun. Des bandits comme Kwa Justin. Kwa Justin dit que lui, il va tuer le président Alassane Ouattara et va porter ses habits. C'est pour ce qu'il a amené en prison. Comme en Côte d'Ivoire, on juge les gens selon les partis politiques, selon les ethnies, selon... Je dis, l'Afrique ne va jamais évoluer. Il dit, il va tuer le Prado. Et quand le Prado va mourir, je touche du bois, lui va porter ses habits. C'est ça là qu'il a amené en prison. Mais quand il est sorti de prison, et il voit que le Prado encore bien requinqué, il est en forme là. J'espère que ça va l'amener à réfléchir. On ne dit pas ça, c'est un chef d'État. Un chef d'État est protégé. Ce n'est pas le président qui dit attrapez-le. Mais c'est le procureur qui veille sur la loi. Tu menaces l'intégrité physique du chef de l'État, qui est le patron de tout le monde. On doit te mettre aux arrêts. C'est ce qu'ils ont fait. À ce niveau, je voudrais aussi dire quelque chose. Yann Baou, c'est une animatrice radio, est allée au Gabon. Et il y a des choses qui se sont passées à l'aéroport. On a écouté, elle, sa version. Je suis ivoirien. On a écouté, elle, sa version. On n'a pas écouté la version des Gabonais. Nous n'avons pas écouté la version des Gabonais. Mais je vais vous dire une chose, faisons très attention. Le président Faubonnier a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. Mais au début des indépendances, pour avoir son pain, les Ivoiriens allaient se chercher au Gabon. Vous avez compris? Ils allaient à Dakar, ils allaient au Gabon. J'ai dit, au début des indépendances, la Côte d'Ivoire n'était rien. Les autres étaient en avance, la Côte d'Ivoire était derrière. Il faut tout faire pour les dépasser. Les Ivoiriens, c'est au Gabon qu'ils allaient se chercher. Pour faut les dépasser. Le nombre d'enfants, de garçons ivoiriens au Gabon sont nombreux. Beaucoup d'Ivoiriens là-bas. Ce n'est pas le comportement d'un policier qu'on va prendre et puis des gens qui ne réfléchissent pas sur la toile pour envenimer des situations en des états. Si on a écouté notre sœur, il faut qu'on attende la version des autorités gabonaises. Qu'est-ce qu'elle est allée faire réellement? Quel message ils ont reçu? Quel signalement ils ont eu? Les gens ne font pas de bruit. Mais à l'aéroport d'Abidjan aussi, on attrape des gens. Si tu arrives, qu'une mauvaise personne fait un mauvais signalement sur toi, il dit, président, Aladji Babatoun est en train de venir, hein? Il vient pour espionner le pays, pour faire un coup d'État. On va me prendre d'abord. Si je suis un étranger, on va parler du non, retourne d'où tu es venu. Mais si je suis ivoirien, ils vont me prendre, me mettre en prison pour nécessité d'enquête. C'est ça un pays. Ce n'est pas parce que tu es femme qu'on ne t'attrape pas. Ce n'est pas parce que tu es garçon qu'on ne t'attrape pas. Ce n'est pas parce que tu es didacte qu'on ne doit pas t'attraper. Ce n'est pas parce que tu es bêté qu'on ne doit pas t'attraper. Ce n'est pas parce que tu es malinqué qu'on ne doit pas t'attraper. On t'attrape et puis on vérifie parce que quelqu'un peut mentir sur toi. Donc dites au général Makosso,
de faire attention parce qu'il y a des choses qui peuvent envenimer les relations des États. Succès, notre soeur en prison, parce que la parole qu'elle a donnée a eu pour conséquence d'entraîner la mort d'un Nigérien et beaucoup de choses. Beaucoup de Gabonais vivent en Côte d'Ivoire. Et l'ambassadeur du Gabon est en train de tout faire pour rapprocher les partis pour qu'on puisse savoir et mettre le compteur à zéro dans nos relations pour avancer. Mais Makosso est en train d'envenimer la situation. Dites-lui qu'on ne fait pas ça. C'est la sagesse là. Quand tu te dis homme de Dieu là, où tu es marmaille, moi j'ai créé le mot marmaille, ce n'est pas à cause de lui. Moi j'ai créé marmaille en prenant le nom de mon ami Mamadou. C'est marmaille là. Mamadou Touré qui est à Bobo là. Marmaille. Et je vais vous dire un jour pourquoi j'ai dit. Qu'est-ce que marmaille là? Quelle enveloppe il allait prendre pour moi, il l'a envoyé. Alors que le DG était réticent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu es un Mamadou, un Mamaye. C'est devenu un chef, un patron de la Mamaye, patron de la Mamaye. Toi qui es pasteur, tu te dis, tu es Mamaye. Mais tu es un voleur. Marmaille veut dire doubler les gens. Doubler. Prendre ce qui n'est pas à toi, c'est ça, Marmaille, là. Mais il y a un autre mot que j'ai créé, que je n'ai pas vulgarisé. Les terroristes, les techniques d'esprit. Un terroriste, c'est celui qui parle à la bouche, peut parler jusqu'à et puis t'endors et puis ça sort. Et Marmaille a remplacé ça. Si tu es vraiment homme de Dieu, mets de la sagesse dans ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, ça me décourage. Un homme de Dieu, là, il a une manière de faire. Tu dis tu es pasteur et puis tu fais ça. Tu as une fois vu un prêtre faire ça. Tu as une fois vu un imam faire ça. Un imam ne fera jamais ça. Un prêtre ne fera jamais ça. Il ne faut pas donner une mauvaise image de ce qu'on appelle les pasteurs. Et les gens vont faire des confusions. Ah, les pasteurs, là, ils sont des marmaillais. Je suis le directeur de la marmaillais. Je suis le directeur. Ce n'est pas une bonne chose, cher frère. Il faut quitter dedans et consacrer à ton œuvre et à tes activités professionnelles pour que tu aies à manger. Une autre chose. Le président Gbagbo est en voyage. Je l'avais annoncé. Il y a des gens qui m'ont insulté. Ils ont dit c'est faux. Il y a le président Gbagbo. C'est en février que je l'ai dit. Il a dit, le président Gbagbo que vous avez connu, là, il est malade quand il n'est plus lui-même. Oh! Il y en a qui disent, tu es un bâtard. Tu es un chien. Ils ont dit tout. Mais qu'est-ce que vous voyez? Le président Gbagbo est allé pour revoir ses médecins parce que c'est chaud. Physiquement, c'est chaud. Et je souhaite qu'il soit rétabli. Que Dieu vienne à son secours. Je prie dans ce sens. Que Dieu l'aide. Mais ce qui me fait le plus mal, quand Afin Guessin est sorti de prison en 2014, Afin Guessin a dit, nous avons fauté à la tête de l'État, il y a eu trop de morts, on a fait une fausse politique internationale. Asseyons-nous, ceux qui ont le pouvoir d'État, nous allons discuter, parce que c'est nous-mêmes qui avons inventé le slogan, asseyons-nous et discutons. Ils ont dit, Afin Guessin, c'est un traître, un faux type. Ils ont dit, je n'ai pas fait. Ce qu'il a dit, ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Je n'ai pas ça, c'est un traître. Parce qu'il veut discuter avec le Prado et ses hommes. À cette époque-là, les Simone Gbagbo étaient en prison, ils ont dit, c'est un traître. Et ils ont fui Afin Guessin. Mais selon Guillaume-là, c'est lui qui a envoyé la guerre dans le pays. Aujourd'hui, on apprend, et de soussure, que le président Gbagbo est en train de discuter avec Soro Guillaume, quelque part là-bas. Lui, il n'est pas un traité. Quand lui discute avec le tueur Soro Guillaume, c'est une stratégie. Vous voyez la passion où elle nous amène. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un, mais je suis étonné souvent devant des situations. Quand Afin Guessin dit, ceux qui ne sont pas en âme, là, discutant avec un pays, ils ont l'État, c'est un traître. Il est vendu. Il est allé au restaurant. Mais Soro Guillaume qui a versé le sang de nos parents, et moi-même, il a versé le sang de mes parents, pour rien. Il a versé le sang des amis. J'avais deux frères qui étaient gendarmes. L'un à Ségala, l'un à Boaké. Les hommes de Soro Guillaume les ont tués. Ils ont capturé mon petit frère. Pendant 3 ans. Je n'ai pas dit son nom ici. Tous ses frères d'âme l'ont dit, ah oui. Lui n'est pas mort. Il vit. C'est ce Soro Guillaume-là. Mais quelle image ça donne? Ça veut dire depuis tout temps, depuis 2002, il est comme ça, le président Gbagbo, ils savent ce qu'il faisait de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est devenu son premier ministre en 2007. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Hein? On ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Soro Guillaume, là,
Vous ne vous asseyez pas, vous n'allez pas voir le prêtre chaque jour pour lui demander pardon, pour lui demander pardon, pour faire la paix avec lui. Mais c'est à ce rogueur que vous allez faire la paix. Ce rogueur qui chaque jour déstabilise la Côte d'Ivoire, qui fait tuer nos frères, les jeunes soldats sur les lignes de front. C'est lui qui est devenu votre ami. C'est lui qui est devenu l'ami du président Gbagbo. Et on doit suivre ça. On doit accepter ça. Moi, je n'accepte pas des choses comme ça. Ben, je suis libre de refuser ça. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Je comprends pourquoi Gbagbo, qui est panafricain, hein, tous ses médecins sont blancs. C'est-à-dire qu'il est venu même docteur Blaise Christophe, là. Au lieu de lui dire, il faut me soigner. Non, non, non. Il s'arrache chez blanc. Panafricaniste. Il s'arrache voir les socialistes passer partout là-bas. Panafricaniste. Vous voyez, c'est ça là qui nous révolte. Parce que nous, là, on ne peut pas voir et puis être comme ceux qui sont dans l'ignorance abyssale. Je ne peux pas accepter cela. Pour finir, je vois des gens s'égosiller sur la toile. Simone veut créer son parti. Simone veut créer son parti. Mais Simone, là, son métier, c'est la politique. Simone, là, son métier, de tout temps, elle a appris la politique. C'est à cause de la politique qu'elle s'est liée à Gbagbo. C'est à cause de la politique que le foyer de Simone n'a pas fonctionné. Elle était mariée, ça n'a pas marché. Elle est toujours au renom politique. Et le couple Gbagbo aussi n'a pas fonctionné, le renom politique. Donc les deux se sont mariés. C'est ça qui est vrai. Sinon, elle arrivera à Golf, là. Gbagbo ne vivait pas dans la même maison que Simone. Je sais ce que je dis. Voilà chez Pierre Kipré, voici chez Simone ici, voilà chez Gbagbo. Vous avez compris? Quand je parle, je sais de quoi je parle. Voici chez Pierre Kipré, où j'allais tout le temps. Voici chez Simone, voici chez Gbagbo ici. Simone était chez elle, elle a ses enfants, elle a sa vie. Quand Gbagbo a décidé de la prendre, il ne peut pas vivre dans les deux maisons, c'est là qu'ils sont venus chez Gbagbo. Puis ils ont acheté la maison ensemble. Mais depuis le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'humiliation qu'il inflige à la femme, là, vous voulez qu'elle croise les bras? Elle ne doit rien dire, parce que c'est comme ça. L'humiliation qu'il inflige à la femme depuis l'aéroport jusqu'à aujourd'hui, là, de vous à moi, c'est triste et c'est dommage. Il fait un parti politique et à toutes les réunions, on ne la convoque jamais. Gbagbo dit, je n'ai jamais la convoqué. Et elle entend ça. Parce que ceux qui vont là, ce n'est pas forcément des gens de Gbagbo. Ils vont, mais ils lui rendent compte. Quel mépris. Vous ne connaissez pas la mentalité des femmes. Hein? Quand tu humilies la femme à ce point-là, elle devient une tigresse sur ton dos. Vous comprenez? Tu humilies la femme jusqu'à dans son âme. Femme qui a dormi dans ton lit pendant 40 ans. Et des gens applaudissent et disent c'est bien, parce que c'est pas leur soeur, c'est pas leur fille, c'est normal. Maintenant, elle dit, ah, il est en train de me tuer, il veut me tuer politiquement pour ne plus qu'on parle de moi. Mais je dois exister. On apprend qu'elle est en train d'organiser un mouvement, pas un parti politique. Un mouvement est différent d'un parti politique. Mais j'aurai le temps de vous expliquer. Pour pouvoir exister, pas, je n'ai pas dit vivre, pour pouvoir exister, elle a trahi Gbagbo, mais entre elle et Gbagbo, là, qui a trahi son ami? Entre elle et Gbagbo, là, qui a trahi son ami? C'est Gbagbo qui l'a trahi. Parce qu'ils se sont rencontrés par une femme ordinaire, elle était en politique. Elle est la tête pensante du elle était la tête pensante du Front Populaire Ivoirien. Donc c'est Gbagbo l'a rejeté parce qu'il a eu une nouvelle femme. Laissez la femme évoluer comme elle veut. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, je vous salue. Il faut qu'il y ait la paix. Il y a une personne ténébreuse qui est dans un pays européen, c'est un aîné, je ne vais pas dire son nom, mais à peine il allait à l'école, c'est lui qui menace que dans mes vidéos, je ne dois pas parler de Sankara. J'ai dit, mais cet homme-là, vraiment, l'école, quand tu n'es pas allé à l'école, tu es sous la malédiction. Et à moi, il dit, tu allais faire des diplômes des blancs, jusqu'à les blancs qui nous ont maltraités. Mais pourquoi tu ne restes pas au Burkina et puis tu es en Europe? Tu es la malédiction incarnée. Pourquoi toi tu ne restes pas au Burkina et puis tu es en Europe chez les blancs qui ont maltraité nos parents? C'est justement parce que j'ai étudié la science qu'aujourd'hui je peux parler la langue allemande.
que je peux parler le portugais, que je peux parler parfaitement l'anglais et je me débrouille en français. Tu n'as pas eu cette chance-là. La vie, on vit une seule fois pour aller chez Dieu. Là. Toi, tu as été maudit très tôt. Et toi, tu veux que je sois comme toi. Moi, un homme éclairé, brillant éclairé. Quand il regarde l'homme même, ça dit, on sent qu'il y a l'orgueil qui a dépassé les bornes. Parce que je ne m'attendais pas à ça sur toute la terre. Donc, je voudrais saluer. Ne vous comportez pas comme des idiots comme ça qui sont en train de laver WC dans un pays. Je le respecte pour le moment, il dirait. Qui est en train de laver WC et qui fatigue les oreilles des gens. Tu crois, moi, il lave WC? Il n'a pas WC, hein? Et il laverait jamais WC d'un être humain. Je ne balayerai jamais dans la rue. Je ne balayerai jamais dans un magasin. Je n'attraperai jamais chien pour garder devant l'immeuble de quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Excuse-moi, mon père. Oui. La personne à qui tu parles, est-ce qu'elle est sourde? Non. Alors pourquoi tu parles aussi fort? Eh bien, c'est une vidéo d'enseignement. On dirait que tu te chicanes. Non, non, pas du tout. Pas du tout, Hélène. Bonne soirée. Bonne soirée. Elle est inquiète. Elle a pensé que quelqu'un me fait des histoires, c'est pourquoi je parle fort. Elle a eu peur. C'est pourquoi elle est venue demander qu'est-ce qui se passe. Parce que ici, quand tu dis on fait pas là, on ne va pas te comprendre. Ils ne savent même pas ce que tu es en train de dire. Vous faites des histoires, ça ne veut rien dire. Vous faites... ça ne veut rien dire. Donc, elle dit tu chicanes. Le verbe chicaner. Voilà. Nathalie Sandrine Doualipé a sa tête, on dirait, celui qui est dans le marigot, là. Elle doit savoir que le français, il évolue partout et il n'est pas le même partout. Ici, là, il y a des gens qui disent la COVID, par exemple. Il y en a qui disent le COVID. Ici, là, on dit le télévision. Tu as dit quoi? Le télévision. C'est surprenant, non? Et je ne sais pas encore. Je ne sais pas. C'est chose bizarre. Quand tu dis ma voiture, il te regarde en bizarre. Tu dis mon char. C'est voiture où je suis là, mon char. Quand tu dis mon automobile, là, tu es encore loin. Sauf si tu as vraiment un haut niveau de réflexion où tu vas acheter la voiture. Et puis à ce niveau-là, il sait que dans les papiers, c'est automobile, c'est voiture qui écrit. Mais quelqu'un, tu parles à lui, tu dis ma voiture, c'est mon char. Or, chez nous, là, si tu dis je viens à mon char, ils vont penser que tu viens faire la guerre. Pour dire ma femme, il faut vraiment être à un certain niveau intellectuel. Il va te dire ma blonde. Il dit ma femme là, il dit ma blonde. Et la femme parlant du mari, chez nous on dit mon mari, elle dit mon chum. Elle dit pas mon nom, hein. Si elle dit mon nom, on ne sait pas ce qu'elle dit. Elle dit mon chum. Vous voyez, Sandrine Doualipé, il faut parcourir le monde pour voir que derrière la montagne que tu vois, il y a une réalité que tu ne sais pas. Donc, bonne soirée à vous. Hélène a déjà eu peur. Elle pense que je suis en train de faire des histoires. Dites à Soule de Paris de respecter le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas son camarade. Il ne peut même pas être son ami, mais ce n'est pas son camarade. Le premier degré, là, il n'a qu'à respecter ça. Mais moi-même qui suis là, je ne peux même pas lui accorder la chance d'être mon camarade. Parce que je ne vais pas le respecter. Parce que moi, je respecte en fonction du background. Il est en train de parler à lui, en parler français, après je vais mettre anglais, il ne va rien comprendre. Je vais mettre l'allemand, c'est comme ça que je provoque les gens et puis je te minimise tout de suite. Tout ce qu'on dit là, ma tête est ailleurs. Je dis, mais je suis en train de parler un trou de WC. On va parler de sociologie, tu ne peux pas, de philosophie, tu ne peux pas, de finance, tu ne peux pas, de comptabilité. Bah, je vais te promener comme ça, c'est comme ça que je ridiculise les gens. Je t'envoie ici, je t'envoie ici, je t'envoie ici. Je jure devant le sein de ma mère. Quand je prends quelqu'un là, je vais parler du Congo, RDC, comme si je suis né là. J'ai parlé du Congo, Brazzaville, comme je suis né là. J'ai parlé du Togo, comme je suis né là. C'est ça ma grosse tête là. J'ai parlé du Yémen.
Depuis 1918 jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé de la France comme si moi-même je suis conseiller du président Macron. J'ai parlé du Burkina comme si même je... C'est-à-dire le Burkina là-même, c'est-à-dire c'est moi qui suis le chef. C'est ça. Faut respecter le Prado. On doit lutter pour qu'il y ait la paix dans tous les pays. La paix entre nous, dans le pays où nous vivons, la paix entre ce pays-là et les autres pays, et la paix entre l'Afrique et le monde. Ça, c'était la philosophie de politique du président Fobonyi. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit la paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire chaque individu et l'autre, la paix. Il y avait trois, il appelle les triptyques du président Fobonyi. La triptyque. La paix entre la Côte d'Ivoire et les autres pays africains, et la paix entre l'Afrique et le reste du monde. Vive la paix. Que Dieu vous protège.